Hello, Shalom, comment tu vas? J'espère très bien. Très heureuse de te retrouver en ce matin. Alors, le whistleblower du jour est tiré du livre de Psaumes, chapitre 22, et on verra ensemble le verset 12 au verset 24 qui dit ceci. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de l'acier, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me conduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en aide à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Je te laisse avec cette parole. Belle méditation, on se dit à demain, voilà. Tu pourras laisser ton avis en commentaire, tu pourras liker, partager, pour être une source de bénédiction pour quelqu'un. On se dit demain, par la grâce de Dieu. Shalom.